l'occasion de la journée forêt en Seine à Hourtin, nous avons fait une randonnée lyrique, cuisine sauvage et découverte des îlots de sénescence forestiers à la lagune de Conteau. Des ours. Alors l'ail des ours, c'est la saison, mais évidemment vous ne les trouverez pas ici. Hein. Il faut une forêt un peu plus humide et un peu moins acide. Et on a quelques spots en Médoc. Ça. J'ai fait aussi des petits biscuits aux aiguilles de pain. Alors le pain aussi, ça peut être comestible. Hein. Donc je vous ai fait une infusion avec les bourgeons et les aiguilles de pain, en ajoutant aussi un peu d'ortie et un peu de menthe sauvage qu'on trouve un petit peu plus dans les marais, que j'ai transplanté moi dans mon jardin, parce que dans les marais, il y a quand même, avec l'humidité, je ne sais pas, forcément très salubre. Très bien lui faire un nichoir. D'accord, un nichoir en bois complètement. 50 cm de haut, ouais. Un trou d'entrée de 7 cm de diamètre et le trou d'entrée dans le tiers supérieur du nid. Et pas plus de 2 mètres de haut parce que sinon c'est les tourneaux sansonnets qui viendra prendre la place. On peut faire des colocs, 70, 32, 29. Vous affichez le tarif. Non, est-ce qu'on peut faire une grande maison avec plusieurs diamètres, ils vont cohabiter ensemble tout cela? Non, vaut mieux les séparer. D'accord. Ils vont. Da cento à vous. Ouais, vous pouvez mieux le faire. Vraiment, c'est corporel. Je le refais. Muta da cento. Ouais, vous faites pas mal aux hanches. Hein. Et di pensiero. Parfait. Sempre un amabile. Ah ben non. C'est de l'italien. Sempre un amabile. Régalez-vous, faites-moi un prrrr. Sempre un amabile.
Juste le prrrr. C'est pas facile, hein.